Jésus vous appelle. C'est lui qui fait la vie. 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 Nous sommes le chemin. Nous sommes la vérité. Nous sommes la vie. Vous pouvez aller au ciel. Mais ça passe par lui. Et si tu veux aller au ciel, tu dois abandonner certaines choses. Tu dois abandonner certaines pratiques. Jésus ne veut pas te voler. Il n'aime pas les voleurs. Il n'aime pas les voleurs. Mais ce qu'il veut, les voleurs. C'est qu'il se repente. Parce que le voleur se repente. Parce que le voleur se repente. Parce que le braqueur 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 propose son fonctionnement. Avec Dieu. Je vous appelle. Je suis au Iran. 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 C'est le moment de donner votre vie au Seigneur Jésus. C'est le moment de donner votre vie au Seigneur Jésus. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Tu ne sais pas ce que demain tu seras. Ce que tu vas faire, c'est de donner la vie, ta vie au Seigneur Jésus. C'est de dire, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que c'est toi qui es mort sur la croix. Parce que je l'ai péché. Et j'ai entendu ce soir, ce vol n'est pas une bonne chose. J'ai trop volé. J'ai tué beaucoup. Mais ce soir, j'ai reçu ta parole. Je me donne à toi. Je vais abandonner. Je vais abandonner. Comment je dois faire? Comment je dois faire pour laisser le pistolet? Oui, toi qui braque les gens dans la rue. Tu es sorcier qui m'attend. Tu es sorcier qui m'attend. Toi qui ne veux pas faire la paix avec ton Dieu. Jésus, je te donne encore une seconde chance. Que le péché connaît qu'il est Dieu. Il attend un jour au jugement. Et Dieu est là. Il nous regarde. Il regarde chacun de nous. Et il nous demande de faire la paix avec lui. Il nous demande de faire la paix avec lui. Il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Pour faire la paix avec lui. Pour faire la paix avec lui. C'est le message de paix que nous sommes venus. Je suis la paix. Si tu reconnais que tu es fatigué de ta vie, si tu reconnais que tu es fatigué de la vie que tu mènes, viens au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Toi qui es tourmenté par les esprits, Je suis maltraité par les maris de nuit. Je suis maltraité par les femmes de nuit. Ce soir, Jésus t'appelle.
te délivrer. Jésus, tu en as tout canoë. Jésus, tu veux te délivrer. Jésus, tu en as tout canoë. Il veut te délivrer. Et tu en as tout canoë. Jésus veut te délivrer. Et tu en as tout canoë. Il veut te délivrer. Et tu en as tout canoë. Jésus veut te délivrer. Jésus, tu en as tout canoë. Mais au Seigneur Jésus. Ouais, Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus. Jette des ans, te donne un peu. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, venu ni maïdo. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, venu ni maïdo. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, venu ni maïdo. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, venu ni maïdo. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, venu ni maïdo. Les esprits de famille ont capturé certaines personnes. Les esprits de famille ont capturé certaines personnes. Jésus vous appelle ce soir. 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 Les temps sont finis. Bien aimé, la parole vous déclare. La parole vous déclare. Venez à moi. Vous toutes qui êtes fatiguées et chargées. Et je vous donnerai du repos. Toi qui es malade, viens ce soir. Viens nous voir. Jésus va te délivrer de cette maladie. Si tu es stérile, si tu es envoûté, dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom sorte de la liste si tu es le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dans le lien de la sorcellerie de ta vie, et brise le nom de Jésus, et brise le nom de Jésus, la stérilité qui t'embête des années, Jésus qui te touche maintenant, là où tu es malade, Jésus te guérit maintenant même. Jésus-Christ est la solution de ta vie bien aimée. Jésus, ne pas aller chez les maladies. Ne pas aller chez les féticheurs. Ne pas aller dans les églises où on fait des visions. Ne pas aller dans les églises où on fait des visions. Ce sont des profiteurs spirituels. Ce sont les employés du ténèbres. Ce sont les employés des démons. Ne pas aller chez les lits. Ne pas aller chez les lits. Ils ne travaillent pas pour Jésus-Christ. Ils sont là pour mentir, bien aimé. Ils sont là pour mentir, bien aimé. Il n'y a plus de sacrifice. Tu dois avoir un corps pur. Bien aimé, les mèches et les laines que les femmes font sur la tête. Ça te conduit en enfer. Ce sont des chants de sirènes, des eaux. Bien aimé, le paradis est réel. L'enfer est réel. Certains ne veulent pas que tu ailles au ciel. Lorsque tu fais des mèches sur la tête, spirituellement parlant, ça te donne la marque de Satan sur la tête. Et tu iras et tu iras en enfer. Bien aimé. Dieu regarde au cœur. Et il regarde. Et si au corps, et il dit dans sa parole, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maman, tu dois abandonner les mèches. Et il a créé aussi la Bible pour t'instruire, pour te montrer le chemin, pour te montrer la vie, pour te montrer comment vivre dans ce monde. La femme ne peut pas porter des pantalons. C'est de s'exposer, bien aimé. Parce que tu es une femme chrétienne, tu portes pantalons. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis. Bien aimé, tu dois te repentir. Abandonner les matchs de football. Si tu es chrétien, tu dois abandonner ces choses. Si tu penses vraiment aller au paradis, Je suis en colère. Et on va te sauver. Et tu t'en fous. Ma, 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 ma. Le
bien-aimé, sois sage. Pense à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin de ta vie. En dehors de Jésus-Christ, aucun de vous nous allons faire le bilan. Tu vas rencontrer Tchokot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 ch
démons qui sont dedans. Mon amour, ça te conduit en enfer. Ça te conduit en enfer. Ça te conduit en enfer. Les tatouages sont les portes d'entrée des démons. Les démons vont entrer dans ta vie. Chrétien, chrétienne, si tu m'entends à la maison, on peut allumer les dessins allumés pour ton enfant. Bien-aimé, si tu es dans une église, on t'appelle, ton pasteur te dit que Dieu regarde le cœur. On t'a trompé, bien-aimé. On t'a trompé, bien-aimé. Dieu regarde au cœur et au cœur. Et tu dois te repentir. Abandonne les chaînes. Abandonne les chaînes. Abandonne les boucles d'oreilles. Tu les prends à la légère. Mais eux, ils vont te détruire en enfer. Il faut accepter Jésus-Christ pour aller au paradis. Et il faut marcher de la sainteté pour le ciel. Bien-aimé, si tu es dans une église, on te pense que Jéhovah est Dieu. Jéhovah n'est pas Dieu. C'est pas le chrétien. C'est pas le chrétien. Chrétien, abandonne les gens, one is better. Les gagnes de l'argent, c'est vrai. Mais ton âme est vendue. C'est un échange. Entre toi et ton âme. Toi, ton âme. Lui va vivre en enfer. Lorsque nous parlons de ton âme, ton âme ne peut pas voir Dieu face à face. Lorsque tu meurs, c'est pas fini. Le corps n'est qu'une enveloppe. Et ton corps va partir. Mais toi-même, toi-même, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Est-ce que c'est à lui que tu as obéi? Abandonner les bouches. Mais toi, pour vendre marché. Tu vendes marché. Tu perds des gris-gris. Abandonne ces choses. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution de ces problèmes. Jésus-Christ peut t'aider à vendre. Il y a tout le temps même pour lui.
Même les années que tu as passé dans une église, mais tu n'es jamais né de nouveau. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la connaissance. Tu es devenu religieux. Tu es devenu religieux. Attends, le matin, tu es à l'église. Après-midi, tu es à l'église. Le soir, tu es à l'église. Le soir, le péché ne t'a pas libéré. Le péché ne t'a pas quitté. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. C'est parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Mon frère, ma soeur, moi aussi, j'étais comme toi. Toi, j'étais comme toi. Tu étais par ta église. Comme toi. Mais lorsque Jésus-Christ m'a rencontré, ma vie a changé. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ veut te changer la vie. Jésus veut t'abandonner. Ton corps va t'abandonner. Mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Là passera l'éternité. Pose-toi la question. Ça nous peut aider. Les plaisirs vont passer. Mais mon frère, la parole demeure toujours le même. La parole demeure éternellement. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois faire la paix avec Jésus. Oh!
Véritable. On a pas pour toi. Mais il est fatigué, de ton cœur. Adonai.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tous. Jésus-Christ vous aime. Amen. Et si tu mourrais demain, je dirais qui est Dieu. Et si tu mourrais ce soir, que dirais-tu à Dieu? Et si tu mourrais demain, je dirais-tu à Dieu? Moi, si tu mourrais ce soir, mourrais ce soir, que dirais-tu à Dieu? Et si tu mourrais demain,
Je dirai tu as partout le ciel, il s'en est-tu en habitant. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, évangélique, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prostituée, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges parmi les partout, les cieux, ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller?